Okay, thank you for being patient and here with us all afternoon. You are true warriors of light! So about two or three speakers left, French speakers. We're just going to introduce the next one. Okay? So, she has a lot to say. She's going to, Hello. La prochaine invitée, the next speaker. Rogers. Let's applause loudly. Edith Tremblay. Bonjour tout le monde. Je n'ai pas l'anglais parce que j'ai un gros accent. Écoutez, nous au Québec, là, on a affaire à un gouvernement là, que ça va pas du tout, du tout, du tout. OK? Ils ont des petits meetings le matin avec la directeur de la santé publique. Ça n'a pas d'allure, ça, OK? Le directeur de la santé publique, c'est un fonctionnaire. Ils n'ont pas d'affaires à faire ça. Imaginez-là, s'il y avait un meeting à tous les soirs et à tous les matins avec le directeur des poursuites criminelles et pénales. Hey, c'est qui qu'on arrête aujourd'hui? Ça se fait pas. Il fait pas sa job. OK, nous, on est supposés d'être dans un des pays les plus libres. On n'avait même pas le droit d'aller voir nos enfants s'ils étaient dans une autre région. Je ne pouvais même pas aller voir ma fille qui était à quelques kilomètres parce qu'elle était dans une autre région pendant cette pandémie-là. Ça, c'est inacceptable. On n'a pas d'affaire à accepter ça. Ça va à l'encontre de la Charte des droits et libertés de la personne. Un virus qui a un taux de létalité très bas, comme la grippe. Thank you.
Allez. Ça n'a aucun allure. On les oubliera pas. Non, les oubliera pas. Vous savez-vous qu'est-ce qu'ils font? Ils mélangent les droits et les privilèges avec leur publicité et leur propagande de peur. Les travailleurs du front, comme si on serait en guerre contre un virus. Ben voyons donc. Les virus, ils en ont toujours eu et ils vont toujours en avoir. Je vous aime, paix à l'eau.